Allons retourner dans le Niflheim. Salut à tous, c'est Kuno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire la suite. Je vous avais dit que c'est qu'on n'allait pas faire d'épisode ou quoi que ce soit, mais là, ça commence à devenir intéressant. Je trouve que l'univers des rêves, c'est un univers vraiment méconnu. On connaît très peu sur les rêves. En fait, dans ce jeu, tu as un monde vraiment très différent. Donc déjà l'endroit où on était tout à l'heure. Vois là l'antre, ça c'est le campement dedans. Je peux pas aller plus loin. On va aller plus loin. Comment je vais faire? Ça, je vois. Rien. Vraiment, c'est un mystère. Ah. Ah, ce service n'est pas encore disponible. Ah, là, il y a un truc. Ok. Wow. Équipement initial. Et on a une aptitude à distance. La roue est impossible. On a des effets d'état. On est beaucoup plus calme et posé. Ok. Le lockbox. Ne s'ouvre qu'une fois, tous les ennemis se trouvent. Ok. Les richesses du Niflheim sont doublement défendues. Je dois tuer les gardiens avant de désarmer le. Tu vas nourrir les mêmes. Ok. Très bizarre.
Oh putain. Ok. Choix de la récompense. On a plusieurs choix. Frappe de berserker, élan. On va commencer par ça. Là, on a un deuxième truc, c'est de la vie. Pour avoir de la vie, il va falloir qu'on aille ailleurs. Ça a cédé. Je ne peux plus reculer maintenant. Et donc là, on est censé avoir de la vie. Oh non, j'ai plus de vie. On devrait y aller en mode... Merde, je suis mort. J'ai tellement l'eau. Et voilà, là on a terminé. Accroissement de la santé. On est vraiment mal en point. Je vais trouver encore un autre, un buisson avec de la bouffe. Y a pas de bouffe, y a rien. Bon, j'ai réussi à faire ça. Cette silhouette a des allures de voleur. Quoi de mieux pour mener jusqu'à de précieux trésors? Je vais aller là, à bien fort. Parfait.
puissance. Allez, tes gemmes. Et voilà. Frappe étourdissante, frappe chasseur de tête. Et l'augmente des dégâts puissants après chaque coup léger. J'ai vraiment que dalle. Il y a le cerf, le fameux cerf. Sautez là et l'encens réputé comme un lieu de guérison. Voilà. Soit je vais là. En vrai, c'est je vais aller par là. J'ai la croix à ma santé, je suis plutôt pas mal. Il vaut mieux que la croix à ma santé. C'est vrai que Fessenheim, c'est les hommes bleus, comme dans... Comme Loki, Loki il fait partie de ça. Ok. On va t'épuiser. Alors. Encore une accroissement de la santé. Parfait. Je suis à 152 santé. Je vais aller voir le cerf parce que le cerf il va m'aider. Et donc maintenant, on va arriver à la compétence. Allez, vas-y donc. Ah,
Il y en a encore deux. Je te tiens. Allez, t'es mort toi. Eh bien, impeccable. Piquer le Tombs, se protéger dans les airs permet de causer des dégâts de glace à l'atterrissage. Donc on en est à la compétence étant terminée. Je pense que je vais retourner ici. Il y a autre chose, je crois qu'il y a autre chose. Impeccable. Donc là, on va terminer là-dessus. Juste voir le cerf. Et là. Wesh! Ah, il est gros lui! Ok. Allez, viens par là. Voilà. Eh bien, je sens que j'ai terminé. J'en sais rien de ma récompense si je voulais avoir. Je me demandais en fait si je pouvais récupérer dans l'autre sens. Ça m'a enlevé un petit peu de vie, ce qui est normal.
je le sers. Pourquoi aller dans une autre boutique? Ok, qu'est-ce qu'il a dans la boutique? Il a un arc. Il fait 79 d'attaque. Plutôt cool. Des bois d'élan. Cet arc que je peux plus acheter. Et voilà. Je suis bien. Et voilà la fameuse arène où je me retrouvais à battre. Quitte ces lieux. Je t'ai. Tu m'as donné des nerfs. Connaîtront la renaissance. C'est bon, on l'a eu. Ok, la tenue a été améliorée. Bon, on va faire la partie, on va faire la deuxième partie tout de suite. Sur ce, à toutes.